On pourrait commencer la réunion en explorant à nouveau, parce que c'est un thème quand même central dans la connaissance de soi, la question du détachement. On part d'abord de la position de égotique, qui est la position entre guillemets normale. Et la position égotique est constamment dans un système d'attachement pour lutter contre son déséquilibre originel, structurel, hein. Donc ça s'accroche à des opinions, des jugements, des expériences, une histoire, des situations, ma personnalité. Donc il y a toutes sortes de saisies qui sont là pour tenter de renforcer cette position, de la stabiliser. Et puis, ce qui va avec, c'est toutes sortes de rejets de tout ce qui est, ce qui va remettre en cause cette position. Et donc, la vie est complètement enfermée dans ces mouvements ces tentatives de saisir pour compenser un déséquilibre et le rejet de tout ce qui met en cause cette posture, hein, cette perspective-là. Alors bien sûr, il y a des moments d'accalmie, hein, quand on dort dans le sommeil profond ou quand on est plus tranquille, quand on est dans la nature ou je ne sais quoi. Il y a des moments où ça se calme. Mais dès que une forme ou une autre de stress réapparaît, immédiatement, les mécanismes de saisie, de rejet, de peur se sont réactivés instantanément. Et aller demander à l'ego de se détacher, c'est comme de demander à un vieillard de lâcher sa canne, hein. Vous n'y arriverez pas parce que ça déclenche une peur. Pourtant, il y a une aspiration au détachement. Quand vous dites à quelqu'un, tu devrais te détacher de cette situation, alors à qui on parle? Est-ce qu'on parle à son ego qui ne peut pas se détacher puisque par nature il est crispé sur un objet quelconque? Ou alors est-ce que ça parle à autre chose? Ça parle à une mémoire enfouie de liberté, de tranquillité. Et qu'alors l'invitation au détachement ne s'adresse pas à l'ego qui ne peut pas se détacher, mais qui est là pour réactiver cette mémoire d'une dimension qui par nature est libre, n'est pas asservie aux circonstances, aux situations, au corps, au mental. Donc, on peut voir à ce moment-là les enseignements qui parlent du détachement comme un rappel. Parce que si on part de notre ego qui va essayer de se détacher, ça ne fonctionne pas, hein. Tout le monde a essayé, hein, mais ça marche que de manière tout à fait relative. Les stratégies égotiques sont impuissantes à changer le système.